Société Saint-Jean-Baptiste qui ne finance pas la fête des Patriotes. Contradiction évidente. Voilà la Société Saint-Jean-Baptiste, où des fédéralistes pro-Canada, pro-monarchistes se réfugient et sont maintenant une compagnie d'assurance en pleine violation avec le statut d'organisme à but lucratif. Comme si ce n'était pas assez, sur la rue Queen Victoria. Tabarnak! Fait que, vous n'êtes pas à votre place, vous êtes des imposteurs. Honte à vous de vous cacher derrière une organisation qui nous appartient quand on sait que vous invitez des politiciens comme Justin Trudeau qui veulent juste faire en sorte que le Québec est une minorité dans un plus grand ensemble. Vous trahissez l'esprit des patriotes. Je vous méprise. Non, puis en plus, comment je fais pour zoomer? Dominion, hein? C'est ce que ça veut dire, Dominion, ici? Yeah. La société Dominion, c'est la... Fuck, on voit rien. La rue Victoria, fuck! Avance pas. On va apprendre de voir. Ouais, parce que Dominion, ça veut dire soumis. Dominion... La rue Queen Victoria, où la société est basée. Parce qu'on n'a pas assez de deux rues Queen à Sherbrooke. Ben, il faut être colonisé en Asti. Le Sherbrooke de demain. Asti de calice. On se croirait à Cleveland, nous. Yo, James C., tu penses quoi de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est fédéraliste, monarchiste, impérialiste, colonialiste? Ouais, ben c'est ça, je suis là pour dénoncer que la Société Saint-Jean-Baptiste soit fédéraliste. Si on veut dire ça, ben c'est ça, c'est absolument... C'est des poires arabes. Tu as quoi d'autre à dire? Non. C'est bon, c'est le seul mot. C'est le seul mot. Le son, le pacifique. Bon, ben on peut pas descendre le drapeau. Règlement municipal. Les citoyens ne peuvent pas descendre un drapeau. Le remonter 30 minutes plus tard. Il risque que c'est de la merde. Vendeur d'assurance, comment se fait-il que personne ne s'en rende compte encore, alors qu'ils sont un organisme sans but lucratif, puis Marcel Bureau qui répond à aucune interview, de toute façon. En tout cas, honte à vous, là, c'est temps que la situation soit dénoncée.